Bête, démon, dragon, Go George, Galurane, Mecha, why not? Go George. Pour le 1000ème topa, tu aimerais faire quelque chose, genre un perso pas ouf, ou tu t'en fous? Ah, je m'en fous, hein. Top 10, Sauvage of Empire 4. Ça arrive, ça arrive. Je monte doucement, mais bientôt, hein. Est-ce que j'envisage micro? Charge avec dragon, c'est pas terrible si. Ah, je vois ce que tu veux dire, bon. Joseph. Je vois ce que tu veux dire, Joseph. C'est un mec qui essaie de m'emmerder avec des pirates ou autre genre de truc. Bof, pas de problème, je pense. Je pense que j'achète momie, je roll et je pense que je vais essayer de t'avoir. Oh là, je sais pas ce que je vais faire encore, mais. Après, il y a pirate pour up après, mais est-ce que c'est si bien? J'aurais bien voulu trouver ça en vrai. Je sais pas, je préfère roll. J'ai freeze Acolyte. L'avantage Acolyte, c'est que. Avec Bras de l'Empire, ça devient vite casse-couille. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on le fait. Ah, comment est-ce que je vais jouer ça? Est-ce qu'au prochain tour, j'ai appelé avec ça du coup? Peut-être. Hein. 3, 5. 3, 5, vente up. Je pense que c'est le play. Achat. Il me reste 3 gold, je vends le chat. J'ai 4 gold. Je peux up Hero Power. Puis on verra. Ça me va. Ça me va. Pense pas que j'ai déjà joué George comme ça, mais là ça se met bien. J'ai collé 104 dégâts tour 8 avec Diablo. Ah ouais. Ah, pas du max, hein, mon dieu. Ça va, c'est pas broken. Ouais, Osef de la game d'avant, là, je sais pas ce qu'il y a, mais Osef. On s'en fout de savoir si quelqu'un a raison ou tort. Hein. Sauf quand c'est moi, parce que j'ai toujours raison. Non, mais je veux dire, passer à autre chose, là, les gars. Je pense que je vote maintenant. Yep. Merci Pozzi, merci pour Prime. Y a un monde où on vend, enfin on up, on vend en Hero Power, mais. Hero Power sur double momie, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop, on verra. Ça dépend du shop. Mais c'est vrai que la T22, je vais pas trop y rester en vrai. On va voir. Peut-être que ce sera effectivement up vente Hero Power, peut-être. L'intérêt après c'est quand même d'être assez rapidement à 23 aussi pour aller chercher lui quoi. Lui c'est vraiment les nuts pour nous. L'avantage là c'est que j'ai un petit peu de scaling en attaque avec Micro Momie donc ça marche bien avec les boucliers. Ce qui est dommage c'est si je fais un bouclier là-dessus. Bon l'autre a pris le boost donc ouais je vais roll. Hein. Ouais.
Upbrawl, les prochains tours, on achète 2 Hero Power. Ça me va. Je perds juste un gold sur ce tour-ci, mais sur l'ensemble des tours, ça me paraît pas mal. Il y a aussi un play avec tigre et ça, genre tigre, achat, vente, hero power. J'ai envie d'être 3 assez vite. Genre Deflecto est cool avec le momie, le bras de l'empire est cool. Lui est pas mal, le fermier, lui est vraiment broken. Il y a vraiment beaucoup de bons 3 pour moi. Donc go up. Go up roll. Ok, j'ai les notes, super. Donc je vais acheter ça, hero power là-dessus et acheter. Je sais pas. Mais lui, j'ai besoin de l'acheter. Peut-être le Murloc, vu que j'ai un autre Murloc? Why not, je sais pas trop. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Y'a des gens qui fêtent ça vraiment? Genre, les NA, les Américains, ils fêtent beaucoup ça, je pense, mais en France, ça se fête. Moi, je fais pas ça du tout pour le coup. Moi, je fête Noël, Saint-Nicolas. Ouais, le Uran est broken avec George. En gros, ce qui est fort avec avec George et le Uran, c'est que tu récupères bah, full gem, bien sûr. Mais derrière les gems, il te faut un moteur pour l'utiliser. Et c'est tout trouvé avec le Tremble-Terre en tier 24. C'est big ici, je vais aux US. Ok. En vrai, c'est stylé. Dorier. Après, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont plus petits à côté? Est-ce que genre Noël, etc. Bon, je pense pas. Hein. Je sais pas trop. J'avoue, je sais pas. Je suis ignorant là-dessus. Ok, heal up, mais pas nous forcément ici. Ça oui, et pff, ça je peux pas, j'ai pas de pirate. Prends-moi le Murloc. Celui qui a le plus de stats, ouais. J'ai repos là parce que les murlocs, je sais pas si je les garderai plus tard. Et que bah lui, si on le trip, c'est un peu con. Niveau du placement, on peut faire un truc comme ça. Il peut pas avoir de cleave, il n'y a pas de bête. Ouais, c'est très bien comme ça. Depuis tout ça, j'entends que Georges est fort avec Uran sans comprendre pourquoi. Merci, Oliège. Ah bah, c'est simple. Hein. C'est. Fendeur de gemme, Tremble-Terre et full bouclier divin. Ou alors des compos hybrides avec pareil le fendeur de gemme, c'est vraiment la carte centrale avec George. Et potentiellement un gemme ou genre de choses, mais ça c'est beaucoup plus rare. Souvent tu choisis la facilité avec. Enfin, peut-être juste plus simple à trouver. Le truc c'est que George, c'est un héros qui peut facilement surpéter la game en early mid. Et du coup c'est compliqué de trouver un plan de jeu avec des tier 25, 6. Alors que bah si t'arrives à trouver un bon plan de jeu solide avec George en tier 24, c'est parfait. C'est le cas hein. Ish! Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas récupérer ma gemme là. On va up achat. Bon, on pourrait peut-être même relire au power à la limite. Ah ouais, là on a vraiment bien touché. Parce qu'il y a des gens qui me disaient tu touches bien. Là je touche bien. Là je touche bien. Là je dis oui. Mais en même temps, cette chance qui était partie depuis quelques jours, que je vous disais, ouais, j'ai pas de chance, t'avais le chat, ouais, il me trollait. Là je l'ai retrouvé. Ça c'est la mienne, ça c'est ma chance. Je l'ai enfin retrouvé. Qui me l'avait volé, je ne sais pas. Mais il me l'a rendu en tout cas. Bon, bah espérons que ça se passe comme ça au tournoi ce week-end. Ce serait pas mal. Ce serait appréciable. Comme ça me plaît, je pense. Les gemmes, on va les garder. Attends, parce qu'au prochain tour, là, j'en récupère 6. J'ai ma foule en vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où j'en ai pas 6? Peu probable. Peut-être avec le. Mécatank ou genre de merde. Par contre, je dis que j'en ai 10, mais c'est fou. J'en aurai 9 des cartes en main. Touche-moi, Liège. Non. Non, Maverick. Tu vas essayer de me reprendre ma chatte. C'est ma chatte. T'as oublié le cheat code streamer. Bah, je pense que c'est Blizzard qui avait dû faire une fausse manip et me le désactiver. Bon, j'ai deux paires au passage.
Il y a un moment carrément où je vendais 2 murlocs pour Hero Power, c'était peut-être pas déconnant. Après, le truc, c'est que j'aurais fait sur une paire, ce qui est un peu moins intéressant. Et j'aurais eu moins de gold pour roll, etc. Donc, ouais, bof. Bon, on charge des boucliers Giva et Tremble-Terre. Profite tant qu'il est encore temps. Profite. Profite, mon ami. Autrement, on pourrait genre trouver. Ouais, mais il n'y a pas d'hydre en 4. Ouais, c'est vraiment Tremble-Terre, les nuts. Les turbo-nuts. Osef, je pense. Je pense qu'il faut roll. Il y a le duo dynamique là où je sais pas quoi qui est vraiment bien. Osef aussi. Osef. Ok, par contre je pense que je dois prendre un sac. Je peux avoir genre Murloc toxique est incroyable, la haute toxique est pas mal. Il y a des trucs. Ah j'aime, on en parlait. Bah go hein. Est-ce que je prends le pirate? Je pense que oui hein. Y a le Tremble-Terre, on s'en fout là du coup, go scale. Il faudrait que je vire genre peut-être lui pour un LM ou lui d'ailleurs. Après lui il a déjà le bouclier divin, donc c'est dommage, mais on le vira après au pire. Mais ouais, un LM. T'as, il me casse la gueule lui. Mon dieu. T'as imaginé si je me fais casser la gueule là. Après il a vraiment bien touché hein. Il a vraiment bien touché. Mais on est vraiment très fort. Mais c'est ouf justement. C'est justement ça qui est fou, c'est que je sois très fort et qu'il me batte quand même. What the fuck? En plus, je prends vraiment le max là. Ou pas le voir en tout cas. Bon, et 14, average 7, 11. T'as assez ouf. T'as assez ouf. Avec la game qu'on fait, c'est vraiment ouf. Il y a lui, mais je veux pas. En vrai, je veux tenter de scale à fond avec ça. Ouais, surtout que lui, je vais le détruire. Après, c'est de trouver quand même mieux comme élame, genre. J'ai tout, hein, genre j'ai juste pas des lames, mais Mecha j'ai, j'en ai deux même, Murloc j'ai, Pirate on a pris lui, Uran on a, donc ouais, juste c'est trop un élame décent. Duo Dynamite il est vraiment bien avec lui, genre à la place de ça par exemple, et j'ai un Pirate ici qui est vraiment fou avec l'autre, genre ça met tellement de boost. Chaque tour ça met full boost, hein. Peut-être que je prends lui et que je vire deux. Tu vois, ça vaut le coup. J'imagine c'est ok. Un choix tactique intéressant. J'aurais pas des lames, mais tant pis. Hyper vitesse. Ils sont pas perma les boss des pirates, si. Tu vas voir. En gros, quand je vais récupérer des gemmes, chaque fois ça va full booster l'autre. Je vais avoir un giga forban. Par contre, j'aurais peut-être même dû booster lui du coup. C'est autre pirate que ça bosse. Mais j'ai un autre pirate, qu'est-ce que tu racontes? J'ai un autre pirate. J'ai deux pirates. J'ai un giga forban maintenant. Alors je joue pas avec un LM, mais c'est pas grave. Bon travail. Continuez sur votre lance. Là le problème c'est que. Ha! J'en sais rien virer en fait, c'est un peu chiant. Oh c'est trop bizarre là du coup. C'est vrai, dans l'idée je suis lock. Après je voudrais quand même virer lui. Ah, jamais trouvé le triple.
Il a pas gardé les stats. Bien sûr que si, il a gardé les stats. Pourquoi il fait mis que plus 2? Mais what the fuck? Pourquoi il a perdu les stats? C'est pas normal ça, c'est nouveau. What the fuck? Bah je suis dégoûté. Sacré douille. Ok. Bon tant pis, j'ai pas le temps. Il a une douille. Il a gagné, mais de où ça marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette douille? C'est une douille là. Ok, mais je pensais que ça marchait en fait. J'ai toujours cru que ça marchait. Douillade. Ouais. J'avoue que je suis étonné. Je suis surpris. Ouais, non, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, il garde pas les stats en combat, mais je sais pas pourquoi j'étais persuadé que ça marchait en fait la synergie. Du coup, je suis très surpris. Mon order est pas bon là. J'étais perturbé. Ça marchait avant, je sais pas trop. Oui non mais c'est vrai que les stats en combat ne marchaient pas, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête ça marchait. L'M-Taunt n'était pas envisageable. Bah c'est la même chose que si je joue le Uran qui me file les gemmes au final. Enfin qui est boosté directement via les gemmes, je sais pas si tu vas le dire. T'as toujours que marche comme ça? Non mais c'est possible, c'est juste moi je pense. C'est juste moi qui suis drogué. Ouais, après il y a des gens qui font une dague dans la game. Là, le truc, c'est que de toute façon, avoir des cartes en masse, ça m'arrange pas trop. Donc en vrai, il faut juste que je triple ça. Donc je pense que je vais juste roll en 4 pour essayer de tripler ça. Et une fois que je triple, je peux peut-être aller chercher un truc en plus. Mais vu que je veux pas perdre de gemme, je dois rien faire, je pense. Je vais même pas transférer les gemmes là. J'ai envie de le garder lui aussi, il est trop gros là. Ah, nice. Quel talent. Et du coup là je peux essayer d'avoir la Toxie ou bien le Uran Bet. Monsieur Port. Il y a le trip sur les Murlocs aussi, je l'ai vu. Oh bon, on a Monsieur Port. Je pense que je m'en fous du trip avec les Murlocs. Je sais pas trop. C'est incroyable ça. Je suis perplexe. L'avantage c'est que ça me permet d'acheter, de refaire la place en main. Mais là est-ce qu'on va pas juste chercher des ruines? Le problème c'est que si j'arrive pas à tripler c'est chiant, je perds des gemmes quoi. Je sais pas. Up 6 peut-être pour Maxna. Y'a pas à bête, ouais. Le truc c'est qu'il y a des gens qui vont chercher à avoir une ghoul contre moi. Donc si les gens ont une ghoul, ça peut être intéressant de remplacer ça à la fin par une héroïne dorée. Tout simplement en gros. Tu veux pas up pour tripler la gemme. C'est quasi impossible de tripler la gemme en upant. La proba que je triple la gemme est très faible. Trip pour Amalgadon, non. Je pense que je dois juste trouver une héroïne dorée. Genre ça c'est même pas bon, j'ai pas un truc qui est vraiment fort avec. Ouais je pense que c'est Ruindoré. Il nous avait battu tout à l'heure, il était vraiment big lui. Mais s'il a pas de goal je pense que je l'allume. Par contre s'il a une goal il me fume probablement. Après il était vraiment très big hein. Donc on va voir. Le problème là de prendre des cartes en masse c'est que ça me bloque ma main. Le problème de up également c'est que j'ai moins de chance de trouver l'héroïne. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut là en fait pour finir la game. C'est l'héroïne. Donc je pense que je vais rester en 4 et roll. Le problème c'est que si je garde des héroïnes en masse, je perdrai une 2 gemmes, mais bon, Osef je pense. Engagez une recrue tant que vous le pouvez.
Autant mettre lui à côté à cause de les lames de feu. Bon, après un tour d'où je suis vraiment big, je pense que je suis devant. J'ai juste peur d'une ghoul, c'est tout. Trois transferts en anticipation d'une hydre. Je peux attendre longtemps de trouver une hydre, sachant qu'il n'y a pas de bête. Hein. Je peux attendre très longtemps. Ouais. Même avec une ghoul, là le truc, c'est ça qui peut être fou quand t'as vraiment un bon spot avec George comme ici. C'est que même si les mecs ont une ghoul, maintenant c'est trop tard en fait, j'ai trop scale. Ou en tout cas, il faut vraiment qu'ils aient une dinguerie de game, parce que pour un tour 12, nos stats sont indécentes en vrai. Après là, j'ai besoin de retoucher en vrai, je pense que la game allait juste gagner en faisant juste spammer les gemmes et basta, tu vois. T'avais quoi si t'as une héroïne? J'attendrai le combat final pour probablement virer lui. Il y en a une. Ah, ça me frustre tellement. De me dire que je vais perdre une gemme au prochain tour. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que ils vont jouer des ghouls contre moi et ça va être trop chiant. Père Loula. Père Loula. Je s'en fous de l'Argus en vrai. Non. Surtout que je prends des cartes en main, je perds des gemmes hein, au prochain tour, pas oublié. Donc, faut vraiment quand j'achète une carte que ce soit vraiment une bonne carte. Après, bouclier, t'es plutôt solide quand même. Oui, mais non, parce que le plan, c'est de prendre l'héroïne pour quand le mec va me prendre une goal, en fait. Parce que ce qui va me mettre très chiant pour moi, c'est la goal. Et du coup, si j'ai une héroïne dorée, je remets deux boucliers derrière. Pourquoi ne pas up? Parce que c'est nul. Pourquoi up? J'en ai parlé justement avant. T'as aucune raison de up. Up n'est pas bon. Genre, la seule raison pseudo-valable, ce serait pour infliger des dégâts, mais c'est vraiment négligeable as fuck. Et en gros, si j'up, j'ai moins de chance de trouver l'héroïne. Sauf si j'up 6. Final. Non, ok, il l'a battu et mais elle est pas morte. Je vais m'occuper de son cas moi. No. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ah, j'aime plus fort qu'elle aime. Ça dépend des compos en vrai, genre là, par exemple la game que j'ai fait tout à l'heure, je me serais probablement battu peut-être avec la compo de tout à l'heure. Quoique, en vrai je suis vraiment big là, mais là on a vraiment super bien touché, mais un mec qui touche vachement bien les notes sans en LM, il peut me fumer quand même. Mais bon, là on est vraiment vraiment big quand même, clairement. Dans l'idée, c'est même lui qui est censé bouger, c'est au dernier fight, mais je guiderai pas et je virerai plutôt lui. En cas d'égalité ou quoi, de rechoper des gemmes, mais bon, ouais. Tu as fait deux parties ce soir, tu as deux compos à descente, ouais. Bah, je me plaignais un peu ces derniers jours, enfin, vraiment, ça fait une semaine que le jeu me pisse dessus et... En deux games, là, il m'a rendu toute ma chatte, hein. À descente, mes deux games. Tu mettras bouclier sur l'héroïne? Non.
Bon, final. Il aura une goal probablement cette fois quand même. On ne veut pas up, même pour un. Ah. Je sais pas si on doit vouloir 6, je préfère 5. Si on devait y fendre ou autre. Je pense que je vire lui plutôt que lui. Pour peut-être rechoper déjà mon prochain tour. Ça me paraît plus sensé. Ou même la paire sur l'autre, même si bon, peu de chance souhaitée là. Ouais. Je n'ai peur de rien. C'est chiant la carte en main par contre, elle risque d'être chiante. Je vais pour aller rien faire, je veux pas prendre ça parce qu'autrement ça va me gâcher ma main. Mosef. La goule, de 100%. Let's go! Ah, c'est chat. Après, à côté, on joue bien la game. Je dis pas, hein, mais je veux dire, clairement, on a chaté d'ouf. Hein. Genre, après, le early était intéressant au début de partie. Hein. Mais quand je up 3 et que instant, je trouve lui et le tour d'après, je rechope l'autre. Pas mal. Derrière, je suis à 24. Je fais un triple. Je chope à gemme. Insane. Et au pire, j'avais en backup le Tremble-Terre. Le Tremble-Terre est plus fort en mid-game, mais il s'est sauf parce que les boss sont moins permanents en soi. Le boss d'attaque est pas permanent. Alors que lui, bah, c'est un petit peu moins fort au démarrage, mais après, ça descend. Hein. C'est vraiment